Genre VOD, c'est toujours moi. Je voulais utiliser un arc chronique, j'en ai jamais utilisé. Pour un mob aussi merdique. On continue! Les souterrains, on s'éclate de foufou! C'est la folie! 5000. Il me faut. Je vais regarder ça tout de suite. Non, bah non, je fais dans le mauvais ordre. Mais arrête! Arrête le jeu! 77 000. Ah, il me faut quand même 10 000 là. Oh, j'en ai plein. Il est ok ou il est pas ok? Je parie que non, je parie qu'il m'en manque un peu. Putain, il m'en manque 100. Oh là là! Monte un peu ta vigueur, ouais hein. J'ai la couille. Voilà. À la demande de Jay. Désolé si c'est un peu fort. Pas ma faute. Si c'est ma faute. Il faut que je réenregistre. Si je veux baisser, j'arrive pas à baisser autrement. Vigueur. Eh ben, je vais le faire encore. Hein. Je vais le faire encore. Toujours pas claquer mes biscuits, moi. Non, mais... Tu les gardes, on ne sait pourquoi. Bon, le truc, c'est que les égouts, on a encore 1000 trucs à voir de venir, Tom. 52 une dorée, damn. Eh ben oui, parce que moi, je les utilise que quand j'ai besoin de niveau pour compléter un niveau, justement. Voilà. Ou pour acheter. Non mais il me saoule. Alors 6 millions de runes. Je sais pas combien j'en ai moi. Parce que j'utilise rarement les grosses runes. Bon déjà on n'est même pas allé là. Ah oui, il y avait les fleurs. Oh, avec un m'éclate la gueule. Cette bêtise là. Ouais, elle en a rien à foutre de ça. Ça me demande beaucoup de mana quand même. Hein. Oh, les relous! J'ai pas de dégâts de feu, ça me manque terriblement à force. Hein. Faut que je mette 2-3 points en fin juste pour avoir un sort de. Un sort de feu. Hein. Allez, mine-toi! J'ai vu les mimines. I saw the mimines. Une porte ça. Ou en tout cas pas ouvrable de ce côté. Désolé. Ah là là j'ai... Tué. J'ai 3000, on s'en fout. J'avais longtemps, je t'ai pas lu. J'avais vraiment estimé que j'étais à plus d'un million. Moi, je connais même pas les valeurs. Moi aussi, je faisais ça, mais j'en avais une vingtaine, pas 50.
Je sais pas quoi te dire. J'en trouve plus que toi. Game plus, j'avoue que les 200 runes, je vois pas la différence, même en x50. Oui, ouais, je pense qu'à ton niveau, je crois que tu l'as dit, mais c'est combien pour passer un niveau, toi? Fais-moi la paix. Fais-moi la paix, vous aimez pas, vous êtes pas mes copines. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y avait des ongles qui dépassaient. Ah ouais, il y en avait. J'ai même pas fait gaffe. D'accord. Dans le cul de la main. Oh putain, c'est le coprophage, il est trop dégueu. Souillez chaque cadavre avec délectation. On fait vraiment partie des gentils, hein. Je peux m'assurer qu'à leur renaissance, eux et toutes leurs descendants soient maudits pour des siècles et des siècles. Mais si c'est sympa. Chacun ses projets, hein. Bien d'avoir des ambitions. Ah, j'aurais préféré que tu me dises rien, quand même. Désolé, fallait quand même que je te punisse. D'une manière ou d'une autre, quoi. J'étais un peu obligé, quoi. Voilà, voilà, voilà. $250,000, oui, voilà. Ouais, j'avais cru lire ça. Bon, on va repasser dans les tuyaux. Parce que là, on va avancer sans sauter dans le trou. Ah, mais ça me fait arriver là ! Oh, bordel ! Oh, bordel ! Attendez, regardez ! Si du coup, je tombe pas... Oh, putain, mais... En fait, j'ai... Voilà, j'arrive là. Oh bordel, en fait. Faut pas le tuer. Faut le tuer. Non, faut pas le tuer. Et moi, je tue pas les PNJ. Et bonjour, Med. Mais ça aussi, c'est un raccourci. Allez. Qu'est-ce qu'il vous... Elles me font mal. Oh, y'a du loot là. Ouais, je suis là. C'est compliqué. Ma compagne dit, oh, t'es là. Avec un point de désespoir dans la voix.
Si t'avais dit... T'es passé par lui pour arriver dans les tuyaux. Ah, t'es passé par... Ah, t'es passé par là, toi. Mais oui. Ah non. Non, j'ai rien dit. Ça va être chiant. Je vais aller prendre l'objet, hein, mais avant, bon, je regarde quand même où je suis. Bah super, ça progresse, bordel. Aïe. 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 J'ai pas ouvert, j'aurais trop dû. Salut Félix. Je te leurre que je... Je te mets en leurre que je vais dodo. Bah bonne nuit en tout cas. Ça marche. Et puis c'est sympa de passer. Bon, mes runes, en vrai, on s'en fout, non? En vrai. J'ai fait quoi, du coup? Pourquoi t'as pas ouvert la grille avant? J'ai oublié. Voilà. D'autres questions? On peut enchaîner, là? Du coup, j'ai fait quoi? Je suis allée tout droit. Je suis obligée de repasser par là, du coup. Je suis allée dans les tuyaux. Enfin, je fais quoi? Face de la grâce, t'as ouvert la porte. Ah, c'était en face de la grâce? Mais... Ah bon? Je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai pas vu de truc de grâce quand j'ai ouvert la porte, sinon j'y serais allée. Oula! On fait super mal ces cartes. Il était là, il était dans le coin le coprophage. Ah oui, il y avait lui d'abord. Let's go! Super. Super. Bien esquivé. D'elle. Je suis full, quasi. Oh putain. Mais bordel. Je vise pas en fait, j'arrive pas à l'esquiver parce que je vise pas. Et on va attendre un peu hein. Horrible. Mais ça, ça stun plus, putain! Ça stun tout le temps et là ça stun plus. C'est extrêmement mal passé. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'elle avait pris là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je viens d'un deuxième. Bisous Fernalou, très bonne nuit à toi. Désolée. Est-ce que je peux pour te lire? Oui, oui, il va te coucher, ça marche. Des soupis. Ah d'accord, c'est lui. Bordel, quoi. Il va me suivre vraiment partout? Je te déteste, mec. Ouais, ça stun plus. Puis j'ai plus de vie, hein.
Horrible quoi. J'ai dû en m'achever maintenant. Bon, c'est pas grave. T'as quand même bon focus quoi. Il m'a même pas laissé prendre l'échelle. Il était déjà sur moi avant et il a sauté pour me défoncer. Du coup, cette porte, elle s'ouvre toujours pas ? Cette porte là-bas que j'ai ouverte alors. Ah, j'ai un peu de bruit. Je vais aggro tout le monde là, ça va être chiant. Non, ça va. Ils sont de dos. C'est pas grave, j'avais pas beaucoup de runes. Hein. Et bis de Fernand Louani. J'étais un peu trop enthousiaste. Alors. Quelles sont mes solutions ? C'est vraiment une solution, ça ? Genre ça, c'est vraiment envisageable, ça ? C'est prévu par le jeu, ça ? Genre de sauter sur les mini-rebords, là, c'est, le jeu, il dit que c'est ça qu'il faut faire, vraiment ? Ah non, là, je pense que c'est plus ça. Je suis comme une autre, disons. Ah, je sentais pas. J'en ai marre. Caché là. Quand ça signe, je pense. Oui, c'est vrai que je. Non, mais c'est une corde, c'est pour s'accrocher, quoi. Pas pour faire quelque chose d'irréversible parce qu'on est arrivé au bout de sa vie. Voilà. Oui, merci. Il est encore dans les égouts. J'ai pas envie. Bah, je suis dans les égouts, mais je veux dire, la tour me plaisait bien. Je voulais juste continuer d'être dans cette bâtisse. Oh non, toi tu dégages, hein. Possible d'ouvrir de ce côté, évidemment. Ces machins trop chiants. Ah, ça l'a pas interrompu. Il y a certains trucs qui peuvent être interrompus, et puis d'autres ils peuvent pas. Merde, c'est mauvaise pouvoir. Allez.
Pompée de réprouver. Un petit pet doré. Éclat de verre. Je ne sais même pas à quoi ça sert les éclats de verre tellement je craft absolument jamais. Viande séchée tachetée. Tenterait-il de tacheter? Et là j'arrive là-haut. Avec la veste tu peux enflammer l'épée. Pour les grosses plantes. Ah pas con j'avoue. Mais est-ce que... Tu crois non. Je peux pas faire ça avec mon épée. J'avais déjà essayé de l'enduire de certains trucs pour un mob. Je pouvais pas. Il voulait pas. Tu promets j'y ai essayé. J'avais essayé avec du saignement moi. Un truc qui permet de faire du saignement. Faudrait que j'essaye, mais je vais pas réussir. C'est une épée qui a déjà une compétence. Ah bah voilà. Ah ça y est. Alléluia. Combien de runes sur moi? On s'en fout. C'est cette porte là en face du site des grâces. Tout ça fait. Ça fait. Oh on a progressé quand même. Il n'y a pas que cette arme. Mais moi, de toute façon, n'ayant pas beaucoup de force, il y a la plupart des armes que je ne peux pas avoir, quoi, en lame. Alors c'est vrai qu'on m'avait conseillé d'en avoir une de côté. Pour les mobs qui n'étaient pas sensibles à la magie. Et j'avoue que je l'ai pas fait. Je me suis pas mise une arme de côté. Alors que je devrais. Ça c'est vrai que c'est tout à fait une erreur de ma part. Donc j'en trouve une bonne pour changer... Quand ça va pas. Ça c'est vrai. Juste une grosse feignasse. Parce que pareil, hein, je pourrais aussi mettre juste un ou deux points en foi. Et peut-être avoir un sort de foi utile. Mais je le fais pas non plus. C'est une feignasse. Mais je vais le faire peut-être. On a tellement pas pris la même route. C'est dingue comment être dingue, tu peux prendre tellement d'itinéraires différents. Pour arriver bah, à un résultat similaire mais pas exactement le même. Bon, si quand même. À une expérience en tout cas, qui est similaire mais pas la même. J'ai vu. Ouais, faut que je descende là. Très bien, bah, je vais le faire en fait. Hein. Trop chiant. Trop giga tétra chiant. Je peux sauter là? Oui, ça va. Et moi, je me fais avoir comme une bleue, quoi. Je crois que c'est la première fois que je joue au jeu. Tête de diablotin à langue? Ah, je l'ai pas celui-là. Un démon long langue, il ressent un écho de dextérité. Ah ouais, en fait t'as des versions pour toutes les capacités, pour toutes les compétences. Je savais pas. Bon bah let's go hein, ça me semble être une superbe idée. Mais non, fallait que je saute par dessus. Oh je suis couillonne, fallait que je saute par dessus. Par contre j'ai vu un petit boule bouger là-bas. Qu'il est ce petit boule. Ah, qui est ce petit boule de rat? Apparemment il est là mais voilà. En fait je vais là. J'explore n'importe comment. Ah ouais, d'accord, je vous suis.
Super. Est-ce que t'as pris le bon chemin au pif? Non, je savais. Bon, par contre, j'ai plus grand chose. Enfin, si, un petit peu, mais c'est compliqué. Déjà, je vais faire toi. On s'est pas réveillé, les gros. Putain, les freezes arrivent n'importe quand, n'importe où, tout le temps. C'est fatigant. Au rituel. Et si ça fait ça, c'est pour un ascenseur. Ok. J'ai même pas tué eux. Moi je les ai pas tués, je les ai cassés parce que ce ne sont que des pots. Un petit peu de vie quand même. On a fait le chemin en sens inverse. T'arrives au bon endroit. Oui, voilà, c'est ça. On est juste pas le bon sens. C'est marrant. Bon, c'est bien. Fallait que j'aille là. Et là, je suis en bas de la tour. Bon, je pense que je pourrais retourner... Enfin, voilà, j'ai d'autres trucs à explorer, mais... Mais j'ai trouvé au moins le site de grâce. Je vais le prendre. Alexandre. Quel homme. Enfin, quel pot. Il m'a fait super peur dans une grotte en début de jeu. Oui, il était hostile. Oui, bah oui. Toutes les gerbes de Jarbourg aussi. Après, moi, les gerbes, je crois qu'il y a que lui qui a pas été hostile. Hein. Ah, je sais plus. Bon, ça sent le boss, hein. J'étais sur un couloir, je dirais que tapé dessus, il a pas aimé. Oh, c'est joli ça. Attendez. Si j'ai besoin d'une miniature, on va essayer de trouver un petit émote. Ah, faut que j'enlève ma cam. Elle est où ma cam? Elle est là. Je sais pas, j'aime bien la pièce, elle est belle. Ça c'est du look, ça. Oh bordel. Ouais, bon. Ah, on fait exprès. Ok. Ça, c'est du feu qui fait du saignement, hein. J'ai pas eu. J'avais pas la portée. Mog. Ah oui, Mog, il y a les fameux trucs, là. Non, je me suis trompée, Jess. C'est ça que je vais faire. Je pense avoir le temps, pas du tout.
J'ai tenté un face to face. J'ai déjà 33 000 runes. Je sais pas s'il y a une seconde phase, peut-être. S'il en a une, ça va être chaud. Si c'est juste quelques attaques différentes à mid-life, ça va. J'ai paniqué, j'ai donné un coup d'épée et buff. Bah en fait, j'appuyais. Voilà, je faisais ça. Sauf que j'ai pas vu que mon perso ne faisait pas ça. Du coup, j'avais dû commencer l'animation trop tôt. Après mon esquive. Et en fait, bah, j'ai essayé de le taper et ça a mis un coup normal, quoi. Ce qui ne m'a pas trop intéressé, j'avoue. Je teste avec ça, mais ça c'est un peu pourri, je perds du temps. Ouah, l'allonge! Je me suis pas rendu compte qu'il avait une allonge comme ça, punaise. Je tente? J'ai pas le temps. J'ai tenté. J'aurais pas dû, mais j'ai tenté. Par contre, attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai la tape tout à l'heure. Voilà, ça a cliqué dans. Je sais pas quoi. Côté esquive, tu évites son allonge? Ouais. Mais après, des fois, il fait ça. Du coup, j'ose pas forcément faire de côté. Mais je vais tenter. Bon, après, voilà, on va voir un petit peu comment on a pris ce machin, quoi. Le machin. Elles sont où? Il n'y a pas de rune dans la pièce, c'est ça? Elles sont tous là-bas. Un coffre. Je peux l'ouvrir maintenant? Ok. Tout pourri. Non merde, j'ai esquivé trop tôt. En tout cas, ils sont même de regarder pendant une insomnie mieux que TF1. Écoute, c'est gentil. J'espère. Enfin, j'espère. En même temps, mon TF1, ça a jamais été ma cam. Avec le vent, t'as mis de life aussi. Oh, mais tu prends pas de risque dans Elden Ring au bout d'un moment, hein. Je cours. Je vais éviter de remourir là-bas, c'est chiant. Ok. Je pensais qu'il allait juste taper dans le vide. Enfin, pas dans le vide, mais en face. Voilà. Je confirme. Croyez-moi, je sais de quoi te parle. De quoi je parle. Ah oui, Fissine à 12 de TF1. En même temps, en pleine nuit sur TF1, ça doit pas être fou, quoi. C'est trop diff, pub. Voilà. Est-ce que je change mes talismans aussi pour ce boss-là? Bon, au moins...
Trop loin. Oh, quel enfer. J'ai tapé. J'ai dépensé tellement de d'endu pour rien. Il commence ses coups à moitié dans le mur, j'ai du mal à les lire. D'accord. Non, trop tôt. Non, trop tôt aussi. Dernière popo. Mais je vais tellement éclater. Ça va être compliqué, hein. Je vais essayer de mourir là. Faut que je gère mieux ma mana. Je vais inverser un peu les popos. Parce que là en fait j'ai pas assez de popos de mana. De mana. C'est n'importe quoi. Faut que je gère mieux ma vie. J'ai pas assez de popos de vie. Parce qu'en fait bah... Après peut-être que je me heal trop. Je pense aussi. On va les gérer un peu. Salut Yop. On va faire comme ça pour le moment. La flèche fait plus mal que météor. La flèche chargée seulement. Mais non, même pas en fait. C'est que c'est pas le même type de dégâts et j'ai l'impression que ce... Enfin, c'est même sûr. Ce boss est plus sensible aux dégâts physiques qu'aux dégâts magiques. Et la flèche, il faut que je la charge et l'animation est très longue. Mais je pense pas qu'elle fasse plus de dégâts. On va peut-être tenter là. Tac. Ouais, peut-être autant si elle est chargée à fond. Si elle est pas chargée à fond, c'est pas dingo dingue. J'ai pris Marine ? Non, j'ai pas pris. Elles sont où ? Elles sont là. Oh bordel, timing de merde. Ouais, les timings sont pas dingues. Rendu où dans le jeu? Difficile à dire, je suis dans les égouts sous la capitale. Voilà. Je suis assez avancée. J'ai fait... la plus grosse partie du jeu, mais je sais pas du tout, je saurais pas dire ce qu'il me reste à faire. Dans la mission, enfin dans les quêtes principales, dans les boss majeurs, il m'en reste qu'un je crois.
Mais je suis même pas sûre de tous les connaître. Mais je pense qu'il m'en reste qu'un. Enfin, lui, c'est un boss majeur. Je sais même pas. Voilà, c'est ça qui est bien avec les trucs. Bon, là je suis trop loin. Mais c'est que ça, si je le fais deux fois assez proche, eh ben, il est stun. Et ça, c'est cool. Merde. C'est pas cool, ça. J'ai pris plus de popos. J'en profite. Si j'avoue que si je continue à prendre des dégâts comme ça... Il est dur à faire celui-là, il met plus de temps. Ça stun ? Non, ça l'a pas stun. Un peu triste. Ah, j'ai pris trop cher. Non, il a tous esquivé, je suis un peu triste. Ah non, c'est plus de deux fois. Comment ça se fait que tout à l'heure j'ai stun et pas là? Ah dommage. Je m'en sortais bien. Mais je me suis coincée dans un coin et avec ces vagues, c'était foutu. Mog, on le bat deux fois du coup. Pas très malin les coups latéraux avec un trident n'empêche. Ah bah c'est pour une plus grande couverture, mais effectivement on perd en efficacité, ouais. Bon bah franchement mes runes, je pense que je m'en fous. Hein. Dommage, il a pris bien cher, mais bon. Je vais aller les chercher quand même. Non, pas maintenant. Je vais chercher mes runes alors pas maintenant. Je les ai pas vues en fait. Un peu triste, j'ai pas fait gaffe. Non! Elles sont où? Elles sont là-bas. Putain, je suis passée juste devant, j'ai pas fait gaffe. Dégage. Je me tranquille. Allez, 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 allez. Je les ai eu. Je me suis coincée. Pas grave, on va attendre que le feu s'en aille. C'est marrant, t'es tapé au-dessus, fils du loser.
Pas le moment de laguer, please. C'est ma technique de te cacher derrière un pilier, mec. C'est bon endroit ça. J'attends la suite. Et ma suite. Yes. GG, merci! Les entraves qui n'auront pas servi. Bah ouais. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci! Mais parfois, ouais, je comprends pas trop le comportement des boss. Mmh. Merci beaucoup. Merci, merci. Faveur de l'arbre monde plus 1, qu'est-ce que c'est ça? C'est un objet clé ou c'est un talisman? Oui, c'est forcément un talisman ou un truc dans le genre. Non mais je sais pas. Ah si là. Augmente les PV d'endurance et la charge d'équipement maximum. Oh comment c'est violent. C'est trop bien. Ça défonce. Ah oh, bordel, on l'a eu. Oui. Il est tapé la zone derrière le coffre. Oh! Ah, bon, je crois que j'aurais pas tenté. Hein. Merci hein, de me l'avoir dit en vrai. Merci beaucoup! C'est triste. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que cette zone? Oh! Peut-être utiliser mes runes avant, non? Éventuellement, hein. Ça peut être intéressant de... Mais ça joue de la musique, j'ai eu envie d'y aller. Oui, voilà. J'arrive en fait. Bah, c'est la chute. Oui, bah oui. J'apprends. I'm learning. Encore un endu, hein. 54 000. Rester comme ça. Hein. Ah, ça m'emmerde quand même, 54 000. Mais bon.
Il me faut combien en tout? 120 000. 30 000 runes. C'est combien ça? J'en ai encore 20 000. À voir. On remarque 20 000, c'est. C'est juste 3, 4 comme ça? Il me manque un pouliem comme d'hab. Oh, je crois qu'il m'en manque encore. Oui, il m'en manque encore. Ah là 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 là. Ah mince, pardon. Oh là là, vous êtes en train de vous spoiler là. Ah si je lis pas. Vous me direz quand je pourrais lire. Je vais monter jusqu'à 30 000 au moins en enduit et puis après on verra. C'est trop précieux. Trop précieux. Alors. Justement, no spoil. Ouais, non mais si. Ouais, j'ose pas finir quand même. Mais bon, j'avais aussi dit que je lirais pas le chat et en vrai, bah j'ai quand même lu. Mais en diagonale. Par contre, cette zone est. Tellement du triste. Je veux pas le tuer, moi. Je veux pas les tuer. Je vais peut-être le tuer en fait. Là, il est. C'est vraiment trop triste cette zone. Ça m'émeut. Je me doutais qu'il allait falloir tomber. Non. Je sentais que sinon elle allait glisser. Énervé, je me suis dit donc ouais, c'est un peu excité là. Ah ouais, faut descendre de ça en ça. Ouais, c'est peut-être pas le mieux ça. Bah j'ai quoi ici? Bah j'ai plus de solus en fait. Bah j'ai moi. Elles ont fait une fois qu'on est là. C'est
Bienvenue dans l'aspect plateforme d'Elden Ring. L'amusement n'est pas présent ici. Ouais, hein, faut arrêter avec les plateformes sur Elden Ring. C'est vraiment pas fait pour. Bon, bah... Comment ça s'appelait mon feu? Où j'étais avant? C'est ça? C'était la tombe, hein. Je peux sauter en face? Ah bon? Tu vois la Murnaille Cavalerie, je la cherche. Ah, je connais même pas le... Je connais aucun nom d'aucune armure. Oh merde! C'est où j'ai tué le boss? C'est la cathédrale? Oh, ça y est, je sais même pas où je dois... Où est-ce que je peux respawn? Prison souterraine. Ah oui, non, c'est bon, celle-là. Bon, je tenterai. Mais je ne connais absolument pas les noms des armures. Je peux pas t'aider. Et si je les ai, bah je saurais pas te dire où je les ai eus. Voilà. Ah bah je suis en slow run, hein. J'oublie forcément tout ce que j'ai fait à bout d'un moment. Mais en vrai, idéalement, faut plutôt que je saute en face. Ça, pourquoi pas, mais après, peut-être que je saute en face. Je fasse plutôt ça, non? Et après, que je fasse là-bas. Ou là. Là d'abord. Ouais. Et après là je descends. Non! Pas comme ça! Pas comme ça, Zinedine! T'as pas dû lire. Oui! Ces mecs là. Tu as des loots dans les tentes. Place-toi devant et attends. Il tire pour la. Hein? Il tire pour la récupérer. Bah il a tiré, mais il. Il m'a juste fait mal à moi. Au moins t'es descendu. Effectivement, j'ai dit je descends, bah je suis descendu. Bonjour, bonjour hein. Que fais-tu en cette heure tardive, bonjour. La zone, mais j'ai pas envie de te spoil. Ah mais vraiment non, me spoil pas en fait. Je veux dire, moi non plus, j'ai pas envie que tu me spoil. Je vais regarder une vidéo, je pense. Ok, au revoir, Yop. Oh, je fais la même. J'ai du mal à savoir comment sauter, là. Je fais exactement la même. Pourtant, je fais un tout petit saut, quoi. Mais je m'avance trop, peut-être. Sauf que... Il y a ce saut-là. Si je m'avance pas, voilà, ça fait vraiment du surplace, quoi. En lisant le descriptif du loot, on apprend des trucs cool sur le lore. Ouais. Je pense que c'est une grosse partie du lore est révélée comme ça. Une grosse partie, pas une majorité non plus, mais... Et puis bon, voilà, descriptif un petit peu mystérieux, et puis des fois t'as envie d'en savoir plus sur les mobs en question. Du coup, faut que je fasse en sorte qu'il nique la tente alors. D'accord. Je vois pas de loot moi dans la tente. Ah si, ça c'est un loot. Non, c'est une bougie. À moins qu'il y ait un loot. Ah oui, il y a un loot au-dessus.
J'attends 5 heures, je vais... évacuer mon quartier car ils ont trouvé une bombe de la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt original comme mercredi, mais what the fuck? Ah ouais! Ils font trop mal hein, par contre. C'est affreux comme ils font mal. Chapeau normand nomade. Atour normand marchand nomade, pas normand nomade. Pantalon marchand nomade. Normand c'est nomade. Mais il m'en fait trop mal. Ah ouais, il y a un loot là, putain. Je... j'ai eu le loot. It's ok. Les descriptifs de l'armure. Mais je veux jouer, m'embêter. La tour des marchands nomades ornée de minuscules gemmes de toutes les couleurs. Ces vendeurs itinérants formaient autrefois la florissante grande caravane. Or, lorsqu'ils furent accusés de croyances hérétiques, leur clan tout entier fut rassemblé et enseveli vivant. Dans les affres de leur désespoir, ils entonnèrent une malédiction et invoquèrent ainsi la flamme exaltée. C'est un peu radical quand même. Ils sont un peu chelous les gars. Venez, on enferme à peu près l'entièreté d'une nation, l'équivalent de l'entièreté d'une nation, dans une tour. Franchement, c'est chaud. Je passe par là pour voir. C'est un choix de merde. Moi je le sais. J'avais pas le choix. Donc en gros tous ces morts vivants là, ce sont des marchands enterrés vivants. Ils ont eu marre de la dictature des deux doigts. Des deux doigts? Ah bon? C'est lié à ça. Pour se venger, ils ont créé la flamme exaltée. La tombe troll. Ouais, un peu, parce que là, on est d'accord que j'avais pas le choix. Hein. Là, pour le coup, c'était foutu. Ouais, là, je brûle les étapes. Vu qu'on les traite d'hérétiques et que la pensée unique était celle des deux doigts. Ah mais j'en sais rien, pour moi je savais même pas que la pensée unique c'était celle des deux doigts, je savais même pas. Le lore, je le comprends très mal et j'avoue que j'ai pas la patience de tout lire pour savoir le pourquoi du comment. Même si je pense que je passe à côté de quelque chose, j'avoue, j'ai pas la patience. Ça va, c'est géré. Oh non, mais putain, c'est très dur, hein. Oh là là. Pas une petite paire à voile, là. Les deux doigts sont vraiment hideux. Ouais. Ils sont, mais terribles. Moi, je comprends pas tout non plus loin de là. J'essaye de suivre. Ouais, ouais. Moi, je préférerais... Enfin, je préfère... Non. Ce que je m'étais dit, ce serait plutôt d'essayer de voir une petite vidéo qui résume sûrement quelques-unes des bien foutues. À un moment, quand j'étais allé voir le film World of Warcraft, j'avais un peu fait ça pour m'enseigner sur le lore du jeu. Bon, il doit être très, très long. Alors que là, on serait sur quelque chose d'un petit peu plus... Ouh ! Un petit peu plus...
un petit peu plus fini, je pense, pour Elden Ring. C'est pas plus mal. Oh. Pourquoi faut que j'aille où, là? Non, mais j'arrive pas, hein. J'avance beaucoup trop. J'essaye et je fais exactement la même trajectoire depuis tout à l'heure. Alors que pourtant, j'essaye vraiment de mettre moins en moins de puissance, mais j'y arrive pas. Je pense qu'il faut que je saute et que je me dirige après. Mais si je fais ça, il y a rien, quoi. Voilà, si je fais ça, ça fait ça. C'est tellement dur. Saute pas pour celui-là. Ah, mais je suis loin, quand même, non? Une roularde. Ah ouais. Pff, ok. Laisse pas tomber dessus, mais le problème, c'est qu'il est pas pile poil en dessous. Il est même un peu loin, je trouve. À chaque fois, mon perso, il fait un move chelou quand il tombe là-dessus. Ah là, ça va. Ok, pas con la roulade. Pas con, pas con, pas con. Bravo. Peut-être que juste en me laissant tomber, ça aurait pu marcher, mais j'ai pas osé. Alors que là, ça me semblait vraiment bien en dessous. Là, je meurs pas, hein. De toute façon, j'ai plus trop de choix. Quoique là, il y a ça, en fait. Mais oui, faut visiter ici, en fait, Lux. Oui, oui, oui. Ouais, il y a une tente. Alors que j'amène un gars jusqu'ici. Je me sens pas sereine. Je vais pas mentir, je me sens pas sereine. Il va me tuer juste là alors que j'aurais fait tout ça. Je serais très triste. Oh non, il y en a pas. Y'a personne de réveillé. Félicitations. Si. C'est gentil. Merci Lix. Vache. La vache. Ah bah mince, mais ça comment je l'ai alors? Y'avait personne à part toi? Si, je pense, hein. Ah, en tapant, ça les réveille? Esquiver trop tôt, mais bon, ça fait super mal. Bon, mon truc ne voulait absolument pas le viser. J'ai spammé, il a jamais voulu. Ok, merci pour l'info, Sam. Merci, merci. Vu que j'avais essayé, j'aurais peut-être pas insisté si tu m'avais pas dit d'insister. Bon, voilà, je peux descendre. Non. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Majorie Mac... Pardon. Majorie Macaron. C'est mignon, ça. Merci beaucoup. T'inquiète, tu es occupé en pareil, je risque pas de dormir. Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, Sassidé? Tu prépares tes émissions?
Oui, dans le couloir face à la tente, j'ai pris. Oui, je vais prendre pour Yoda ou quoi? Écoute, c'était clair, hein, ça me va très bien. T'as dit l'information importante en première, et tu as conjugué ensuite, enfin t'as mis ton verbe ensuite, je comprends. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur, ça veut dire feu, et feu ça craint. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait très peur. Ça fait très peur. Je peux pas taper. Je peux rien faire ici. Puis il me montre son bâton en disant j'ai plus de magie, t'as vu? Et il vide mon bâton. Très bien. Non mais voilà, on me disait, oui, dans les catacombes, il n'y avait pas de... Dans les égouts, il n'y a pas de site de grâce, parce que t'es pas censé y être. C'est vrai que tu es vachement censé être là, normalement. Ouais, il y a un site de grâce. Bon, je peux me TP, du coup, mais je pense qu'effectivement, j'ai une quête que j'ai pas faite. Coucou, Insomnie, donc je me balade sur Twitch, je comprends. C'est les streams de l'Insomnie, bienvenue à toi. Merci pour le follow, c'est très gentil. Ouais, je pense que j'ai une quête à faire ici. On n'a pas encore avancé la quête de PNJ. C'est vrai que je dis toujours de retourner parler au PNJ dans les zones d'avant. Mais tu veux pas. Mais je l'ai fait encore la dernière fois. Je le fais quasiment maintenant à chaque session. Je passe mon temps à leur parler, ils me disent rien. Et j'ai un truc à faire là. Et puis voilà. Bon, bah, au moins j'ai le site de grâce. Qui s'appelle comment? Bonne nuit à tous, gros bisous. Des bisous, Lix. Très bonne nuit à toi. Quelle heure? Ah, et bientôt 3h quand même. Il s'appelle comment? Sceau de la flamme exaltée. Ok, faudrait que je retienne ça. Bon bah je vais retourner là. On va voir si on me dit des trucs. Ma table ronde, elle est vachement moins peuplée quand même. Hein. Je veux dire petit à petit, quoi. Il y en a beaucoup qui sont tombés, quoi. Je vois rien. Un de tout. J'ai site de grâce. Ouais, j'ai site de grâce de toute façon. Cette pièce, elle m'intrigue. Je regarde un peu s'il s'est passé des trucs ici. En dessous, non. Là, non, c'est fini. Oh, tous les gens à qui on parle, qui nous côtoient, ils meurent. Mais oui, c'est terrifiant. Je vais voir si la pièce du coprophage, elle a changé. Ah, elle a géchant. Ouais, ça, quoi. Je vous sourirai ensuite. Venez me trouver dans les douves de la capitale. Mais je suis déjà allée le trouver. Donc, je vais le retrouver encore. Ça va pas être... Mais je suis allée le trouver. Quelques perles funéraires à offrir, on verra ça plus tard. Ah, il a bougé, mais il est toujours dans les douves. Oh, bah, ça va pas être pratique. Je lui ai déjà parlé. Bah, c'est peut-être ça le prix à payer pour être dame de l'Elden, quoi. La vie de tous ceux qui t'aident et que tu aides. Ah, plus dans les souterrains. Ah, d'accord, tu m'assures. Ah, ça, c'est juste que j'ai pas assez de sous. C'est ça? Où sont mes sous? Ouais. Back already. No matter.
Ah, des dragons anciens, d'accord. Tu veux que je te dise où le voir? Ça vouloir définitivement la quête? Franchement, ouais, hein. Il est sorti par la bite, celui-là. Salut, Rolt. Bonsoir à toi, merci pour le follow. Je suis un petit peu avancée, Marjorie. Je suis en gros... je suis en gros dans cette zone-là. Je monte quand même sur la map, même si bon, ça spoil un peu. Voilà. Je suis en train de faire cette ville-là et je fais les souterrains de cette ville-là. Les égouts, les douves, machin. Voilà, la capitale. Bonsoir, Rose. Merci. Très fort, c'est très fort, cordial. Bon, faut qu'on retourne voir l'autre. Est-ce qu'il apparaît dans ces bocs de Rod? Oui, on fera ça plus tard. Là, j'ai trop de trucs à faire ici. Je pense qu'il faut déjà que j'aille aux catacombes et que j'aille explorer. Un petit point d'eau au nord de la capitale où tu peux descendre avec le mec qui fait cuire les crevettes. Ça me dit quelque chose, mais alors là, pour le retrouver, peut-être le pont... Non. Sous l'arbre monde, genre ça, peut-être? Peut-être là, alors. Je vais peut-être un peu me promener, on va voir. Au nord, ouais. Ok. Ah, c'est en dehors. Ah, c'est en dehors de la ville. Ah, d'accord. Ah, on serait plutôt là, alors. Mais comment? Et heureusement que vous me le dites, hein. Lac nord de la ville. Donc, ce petit lac-là, genre. Ok. Punaise. Vraiment, heureusement que vous... Enfin, j'aurais été... Comment tu veux savoir que les douves sont là? Il m'a dit juste les douves, et pour moi les douves... Là, dans ce cas-là, vraiment... Vraiment, je dis flûte, quoi. Je vais mettre un point, quand même. Merci. En visitant... Ouais, mais moi, j'ai beaucoup fait cette zone avant de rentrer dans la capitale. Du coup, j'aurais pas forcément pensé au fait de retourner à l'extérieur, quoi. Très franchement, ça aurait pas été instinctif pour moi. J'aurais cherché dans les souterrains, après j'aurais cherché dans la ville, et après je me serais dit nique. Je me spoil. J'ai fait hier 2 heures pour trouver, je me suis spoil. Ouais, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus du plaisir, quoi. Moi, je comprends qu'on veuille pas être spoilé, mais sur un jeu comme ça, c'est presque obligé, si tu veux... Si tu veux boucler des trucs. Mais que voilà. Ouais, j'ai bien fait la zone. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. On te croit, Lox. Surtout du hasard, en vrai. Oui, après, les acharnés et puis les gens qui se promènent au bon endroit au bon moment, un petit peu comme moi quand j'ai trouvé... quand j'ai trouvé la suite des souterrains, quoi. Ok. Qu'on profage et envahisse votre monde. Enfin! Ah oui, il y a un crabe. Est-ce que tu me gonfles? Oh, toute ma mana qui est partie. Attends, de crabe. Attends, j'ai plus d'endu. Épée de Milo, sang. Franchement, tu te mêles un peu de ce qui te regarde pas. Oh, relou. Des petits œufs, bah évidemment. Ok. Bah très bien. Voilà. En plus, non mais, carrément des enfoirés, parce qu'ils te disent dans les douves de... Ouais, non. Ça ressemble pas vraiment à des douves, quoi. Je veux dire, on dirait juste une plaine proche.
C'est le crabe qui m'a le plus troll ici. Il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Bon bah du coup toi il est plus mort le PNJ, moi j'ai pu lui parler avant qu'il meure. Oh j'aurais bien aimé. Mais je veux pas. J'aurais bien aimé lui parler. Et du coup peut-être quoi manger pendant un moment. Ah faut avoir la foi. Eh franchement vu la taille, t'imagines la carapace aussi hein. T'as intérêt à avoir un bon cure-dent pour l'ouvrir quoi. Du coup, avec la quête de Yura, il n'était absolument nulle part. Il y a trois endroits où il peut être. J'aime plus qui c'est Yura. Fais une quête de PNJ ou que tu fais pas dans l'ordre satanique une quête, la quête entière. C'est que ça, c'est... Tu peux la faire dans le désordre, mais en fait, bah, t'auras pas le dénouement, quoi. Oh, le mec était pas mort, what the fuck. Mais oui, je sais pas, j'ai dû faire un truc dans le mauvais ordre. Ok. Ouais, c'est que du coup, j'ai pas dû faire dans le bon ordre. C'est le premier, un premier PNJ qu'on voit juste avant le dragon du lac Agel. Moi, j'ai jamais vu ça me dire non plus. Je crois que je l'ai pas vu non plus. Hein. Mais Esther est resté bloqué à côté de Radahn. Ah ouais? Ça c'est peut-être un bug pour le coup, non? C'est le bug des récompenses. Ok. Tu parles des dialogues. Il te dit quoi le gars? Si vous vous rappelez vite fait. Je vais parler en mode agonie, ah bah non, je n'ai pas beaucoup d'interactions possibles, quoi. Il a sa tête dans le cul. Pardon. Il dit que le coprophage est sorti et qu'il t'a tué, quoi. Qu'il l'a tué quoi. Ah c'est tout. T'as vu qu'un mec effrayant rôdait. Ah ouais ok. Parfois il te dit qu'il a super peur pour son ami Procoprophage. Ouais c'est parce que je l'ai pas croisé une première fois je pense. Du coup il est forcément mort. Son compagnon de cellule, le mec en rouge c'est un taré. Ok. Oui, oui, bah il te dit un petit peu ce que les autres PNJ te disent sur le coprophage, quoi. Attention, il fait trop peur, il est en rouge, il mange du caca. Ok, good to know. Ça m'est beaucoup plus précis, oui. Ouais, il a fait ça plus... Enfin, assez récemment, je pense que ça doit être frais dans sa teuté. Et la troisième fois, ah tu as tué... Ah, parce qu'il faut le croiser trois fois. Une fois que t'as libéré le coprophage, tu reviens, il est attaché, il agonise. T'as dit qu'il ne méritait pas la mort. Et qu'il veut que tu l'achèves pour ne pas être maudit. Et quick, mort, le coprophage arrive. Ok. En gros, le coprophage tue des gens. Oui, hein. Il a pas vraiment caché son véritable hobby, le coprophage, pour le moment. Et du coup, vous pensez que je peux retourner... Je peux retourner là, c'était ça? Qui a buté, c'est pour ça qu'il est mort. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais je voulais savoir qui il était par rapport au coprophage, ce type, quoi. Oh putain, les bots à cette heure-là, please. Alors, attendez. Voilà.
Ah, j'ai paniqué 600 secondes. Oh, tant pis. Non, je suis peut-être un... J'avoue, j'ai peut-être un peu brûlé les étapes. Salut, Luffy. Peut-être que je retourne... un petit peu tôt, là. Je me disais que depuis Raël au carrière... depuis Raël au carrière qu'il irait à la capitale. Donc je l'ai plus ou moins cherché. Ok. Ouais, je l'ai pas croisé avant. La quête du coprophage n'a rien à voir avec cet endroit. Mais je sais pas, on me dit ouais, tu veux boucler la quête du coprophage. Bah ça a peut-être rien à voir en fait. Peut-être moi qui ai fait une association d'idées. Un peu rapide. Mais du coup, si j'ai fait la quête du coprophage, est-ce que... Oh, y'a trop de trucs. Y'a trop de trucs. Ah. Je tire mes jambes un peu. Je vais enlever les vêtements du perso. Mais comment je suis censée savoir qu'il faut enlever les vêtements du perso? Parce que s'il y a une quête qui en parle... Ouais, bon, je préfère effectivement éviter qu'on me spoil tout, mais bon. Après, est-ce que... Voilà, je préfère qu'on me dise, faut que tu fasses telle quête. Parce que là, je la fais et je comprends ce qu'il faut que je fasse. Ok, je vais voir à la table ronde. On verra pour ça plus tard. Ah bah en vrai, je progresserai tellement pas si on me dit pas que bon. Il me semble pas qu'on puisse le savoir. Je pense que tout le monde n'a pas été voir une solution pour faire ça quand même. Bah, je vais pas mentir, c'est vrai qu'on a retrouvé le coprophage mort dans les gosses d'égout dans ma partie. Mais oui, on m'a dit tue-le. Après on m'a dit non, on le tue pas. Et du coup, bah, je peux tuer. Oui, backseat, mais pas spoil en fait. Backseat, c'est quelque chose qui va t'aider sur les mécaniques du jeu, je sais pas, des trucs comme ça. Mais spoil et backseat, c'est pas la même chose. Voilà. Vous avez rejeté ma bénédiction, malgré la malédiction qui vous accable. Personne n'y était parvenu auparavant. Comment ? Me demandais-je avant de comprendre. Vous et moi ne sommes en réalité qu'une seule et même personne. Ah. Je suis le coprophage. C'est ma propre chair qui doit bénéficier de la bénédiction. Mais encore, accordez-moi votre bénédiction. Souillez ma chair avec la malédiction du semis. Ah ouais? Encore et encore, jusqu'au terme. Jusqu'à ce qu'un anneau maudit prenne forme. Un anneau capable de souiller l'ordre lui-même. J'ai tué tant de personnes, j'en ai souillé tout autant. Bientôt, cela portera ses fruits. Ils renaîtront par centaines, tous maudits, et donneront vie à des milliers d'enfants maudits qui eux-mêmes en enfanteront des dizaines de milliers. Certains d'entre eux me ressembleront, tueront, sueront et béniront mon nom. Ces pourritures, mon destin était le plus grand et le plus brillant de tous. Mon enveloppe charnelle se trouve dans les égouts, sous la capitale. Quand délivre votre bénédiction, souillez ma chère, David. Tu me saoules. Ah, faut y retourner encore. Mais quel enfer! Des connards et je joue pas avec eux. Merci, Batcracotte. T'es en train de me dire, tiens, je pourrais raid en retour. Je vois que la chaîne est online, je vois sur Mario Kart. Bah voilà, bah non. Du coup... Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir à toi. Ah, bordel. Donc dans les égouts encore. Et franchement, il me saoule. Je sais même pas. Je
J'aime pas quand on commence profondeur peut-être. Merci, avec plaisir, c'est très gentil. Ça a été sur ma regarde. T'en es sorti. Oh, mais je sais plus comment ça... Je sais plus comment s'appellent les trucs. Les profondeurs abandonnées, non? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Salut princesse Angela. On a plein de princesses ce soir. Princesse Angela nous a mis la fessée. Ouais. Ouais, ça m'arrive souvent, ça, quand j'ouvre aux gens. Bon, bah, voilà. Je suis souvent un peu... Ah, catacombe. Bon, j'allais dans les catacombes. Et après, dans les égouts. Parce que je sais plus comment ça s'appelle, en fait, les trucs. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est où? Des os. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ce bordel? Il est encore 3h du matin. Déjà hier, je tombe sur une vaisse spatio-temporelle avec cette histoire de tournoi. Sérieux? T'es encore dessus? T'aimes pas aller te coucher, toi? J'avais pas tout fouillé ici en vrai. Hein. Non mais faut que j'aille... Attendez, faut que j'aille aux égouts. Faut que je fasse les choses dans les... Après je pourrais revisiter si j'ai envie. J'ai pas envie. Mais bon, je pourrais. Peut-être chemin souterrain. Dans tes chemins souterrains. Je sais pas comment s'appellent les... Les trucs. C'est ça, prison souterraine des parias. Ok. Il va être sympa à retrouver. J'en ai aucune idée de là où il est, quoi. Bonne soirée, il est tard. Bon stream à toi, Miss. Et bon courage pour la soirée de Elden Ring. Merci beaucoup. Merci, merci, boy. Comme tu dis, il est tard, donc de toute façon, je pense que je vais pas tarder. C'est vraiment très très gentil de m'avoir raid encore. Des bisous, bonne nuit. M'a dit dans les égouts. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci Sodokan Dante, ou Dante, plutôt. Merci, bienvenue à toi. Je vois que les sons et images dans un coin de mes 57 onglets ouverts. Mais oui, il va te coucher là. Qu'est-ce que tu fous? Tu te fous un peu la pression. Je pense, peut-être. Les égouts, ils étaient où? Ils étaient là? Je t'ai passé par là, c'est ça? Il m'a dit les égouts, on est d'accord. Hein. Donc là, il faut que j'aille dans les égouts, vrai, Didi. Voilà. Les tuyaux, tout ça, quoi. Fortesse que je le déteste. J'ai pas un truc égout. Ah merde, mais non, mais je reviens, mais oui. Mais je vais tellement galérer. Cherche le boss des réprouvés. Non, non, je l'ai fait, je cherche... Je cherche le coprophage, qui m'a dit qu'il était dans les égouts. Je vais encore mettre 48 minutes à le trouver. Ce que je dis, je vais mettre 2 ans, en fait. Mais je suis dans les égouts, tu me retrouves, on s'appelle. Connard, quoi. Devant une grosse plante. Ah oui, 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 ça m'aide. En fait, le seul truc, le gros souce, c'est que... Je sais plus comment j'étais rentrée dans les égouts. Par là, peut-être. Là, il y avait un truc avec les égouts. Non, non, non. Oh, tu vas m'emmerder, toi.
En fait, j'ai un souci, c'est que je sais plus comment j'étais entrée dans les égouts, c'est-à-dire dans les tuyaux là que je suis en train de parcourir au-dessus. J'étais entrée dedans. Comment j'ai fait ? Mais dégage-toi ! Oh, quel emmerdement là ! Non mais je peux pas passer en fait. Je peux pas passer. Bon bah je me tire. On va attendre un peu hein. Une salle secrète, oui, j'y suis allée dans la salle secrète. Mais il y a des quêtes que j'ai pas faites de toute façon, donc j'y retournerai plus tard. C'est ce fucking coprophage moi qui m'emmerde. Je vais me TP. J'aimerais bien ne plus aggro quoi que ce soit mais je peux... Ah non, oui c'est à cause de lui. Oh, il va me tuer. Tant pis hein. Merci Tété. Ah bah le coprophage, c'est lui qui m'a dit retrouvez-moi dans les égouts pour souiller ma truc de la malédiction. C'est lui qui l'a dit, hein. Non mais, oui, d'accord. La malédiction de Sumi, voilà. Il m'a dit, hein, je vais relire. Jamais où il est le coprophage. Ça me saoule. Il est pas là. C'est le même principe. Mais t'as pas besoin de retourner dans les égouts pour le retrouver. Il y sera pas. Mais comment ça c'est le même principe que quoi? C'est lui qui me dit retrouvez-moi dans les égouts, pourquoi il y sera pas? C'est des items. Mais je l'ai. Oui, j'ai les trucs du semi. Ah bah il est plus là. Donc il sera dans les égouts. J'ai les items. Et le truc près des fleurs Je sais pas, il m'a dit retrouvez-moi dans les égouts pour mettre la malédiction sur moi. Mais j'ai les trucs du semi, du coup bah faut que je... Et là en plus il est plus là. Donc c'est bien qu'il est dans les égouts. Hein ? Là pour le coup il me dit textuellement ce que je dois faire. Il faut pas que je le fasse. Eh ça me perturbe beaucoup hein. Je comprends plus rien moi. Chemin souterrain, j'ai testé. Ah bah moi il est encore là. Bah moi non, parce qu'il m'a dit, mais je lui ai reparlé plusieurs fois. Il m'a dit, vas-y, retrouve-moi, machin. 30 secondes de la grâce. Ah ouais, il est vraiment pas loin. Ah mais je... 30 secondes de la grâce, mais dans tous les sens. Ah oui, j'étais allée dans les égouts comme ça, je me rappelle. Voilà, c'est comme ça que j'étais allée dans les égouts. On va voir, hein. Là-bas, il y avait des fleurs. Non, pas là-bas. Pas du tout, la scélérat. Là, il y a les fleurs. Je vais regarder hein, si dans le coin. Écoutez, de toute façon, hein. De toute façon, faut que je tente. Ça. J'annonce, vu comment je pense ce projet à cœur, hors de question de ne faire qu'un épisode. Ah, ça me va. Écoute, hein, si je prends un abonnement, ça me va d'en faire plusieurs fois, hein, carrément. Ça y est. Il va nous faire un tournoi en 40 étapes. Ah, il est là! Des petits gars. Oh bah t'as pas l'air en forme, dis donc. C'est vraiment dégueu. Malédiction que tous subiront.
Qu'on se met en haut de l'échelle. Non, n'a pas. Tous naîtront petits. GG, merci, Rolls. Mais pareil, comment t'es censé deviner qu'il est là? Mais c'est insupportable. Siècles et des siècles. Moi, j'utilise, franchement. Je le tue pas. Je veux voir ce que ça fait. Je lui éclate sa gueule. Je suis pas fait exprès. Curse you, Golden Order. Un jour, tu le regretteras. Petit, soit tu l'ordre d'homme. Ok. Ouais, c'est ouais, un petit peu. Et ça s'use d'épais ici. Hein. Bon. Bah, je vais attendre. On va voir ce que ça fait d'avoir fait ça. Voilà. Début aussi, il s'est éclaté la tête contre un mur pour sortir. Tu lui ouvres. Il sort, au final, elle revient là. Mais le pire, c'est que tu lui ouvres et continue à s'éclater la tête. Et il y a de la fin du PNJ. Oui, c'est possible. Elle descend dans le mur avec la grosse bite entre les jambes. La grosse bite, c'est un pétoncle. Aucune idée de ce que c'est, je veux pas savoir en fait. C'est dégueu. C'est trop dégueu. Bon, bah on a fini pour le moment l'arc du coprophage. Probablement fini tout court, on verra. Et j'en peux plus de ces allers-retours. J'en peux plus. J'espère que pour le prochaine session, on pourra sortir enfin de la capitale. Peut-être fouiller encore un peu, mais peut-être hors live. Sur ce, de nuit, Vendis. Au revoir aussi à VOD, des bisous. Bye bye, à plus.